En un mois, les forces de l'ordre ont procédé à 1550 interpellations, dont 891 ont été suivies de garde à vue, débouchant sur 59 condamnations à des peines de prison, fermes ou avec sursis, 64 mesures de reconduite à la frontière et 32 refus d'accès au territoire ont par ailleurs été appliqués.